regarde-moi. Moi, je collectionnais les chaussures. Et mon mari les outils. Salut, un petit instant. Brian, c'est vous ? Oui, ici O'Brien. Vous avez toujours l'une de nos radios. Excellent. Bon, écoutez, je vais essayer de vous aider à en savoir plus sur cette femme. Sarah Whittaker. Je l'ai placée dans votre hélico cette nuit-là. Oui, je sais. Mais d'abord, vous devez me rendre un service. Quoi ? Vous me demandez un service ? Écoutez-moi, votre radio possède un affichage digital. Je vais vous envoyer un message codé, les coordonnées. Retrouvez-moi à cet endroit. Brian, c'est quoi cette histoire? Retrouvez-moi là-bas. Il y aura des soldats du Nero un peu partout. Tour. Ne vous faites pas voir. Terminé. En fait, j'ai jamais fini de cramer cette zone de nidification. Ne vous inquiétez pas, je repasserai plus tard pour finir de vous cramer. J'y suis. Le centre pour visiteurs. Maintenant, faut que je trouve un moyen d'entrer. Je dois plus être très loin. En voilà un autre. Brûle, saloperie. Plein dans le mille. Thank you.
Escalier de secours. En bas. Il reste plus grand chose. Ça a été complètement dévalisé. Ok, c'est bon. Ça y est, il faut que je le ramène à Adi. Adi, j'ai trouvé le couteau que tu cherchais. Merci, Dico. J'imagine pas à quel point on en a besoin. Y'a pas de quoi, ravi d'avoir. C'est l'un des bikers. Ouvre-lui. Salut. Quoi de neuf ? D'accord. Ça fait plaisir, hein? Ah, bien. De quoi? Ah, oui, oui, à la prochaine. Hey, salut. Hey, je voulais te demander. J'ai entendu vos motos hier soir à toi, Ricky, et... C'est qui, l'autre type? Boozer. Son vrai nom, c'est William ou Bill, mais je l'ai toujours appelé Boozer, faut pas chercher. Pourquoi? Ok. À plus. Salut. Oh. Tiens, voilà le couteau que tu m'as demandé. Super, merci. Pas de soucis. Je pose des questions sur les mutants des fois. Genre, est-ce qu'ils ressentent la douleur ou autre chose ? J'en sais rien. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça suffira ? Loin de là.
Ah, c'est toi. Fais gaffe à ton commerce. Allô ? Y a quelqu'un ? Ne fous pas dans le passage. Avec ce truc. Tu sais pas comment le réparer ? Je suis quelqu'un d'occupé, Dick. Moi, je collectionnais les chaussures. Mon mari les autres. Reviens quand tu sauras ce que tu veux. C'est que je regrette. Il achète toujours des trucs minables. Besoin d'un coup de main ? J'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui. Tu fais du commerce, pas vrai ? Quelqu'un de coincé, il faut... Qu'est-ce qu'il lui prend à courir partout? Putain! Il est... Sors de là, connard! Pourquoi tu bouges pas, hein? Il se plante! Vas-y! Ça va aller. Tu vas te faire tuer dehors. Je connais un camp où tu seras en sécurité. Un camp? Où ça? Où? Montre-moi ce lieu. J'y vais. Va à Lost Lake, parle à Ricky Patel. Elle te fera entrer. Oh, putain. C'était la fin pour moi. Merci beaucoup. Dis-leur que c'était Saint John, Deacon. Ils savent qui c'est. N'arrête pas, reste bien hors de vue.
Bon, me voilà. Nom de Dieu. Évitez de me faire des frayeurs comme ça. Vous avez trouvé quelque chose sur Sarah, la femme que j'ai mise dans votre hélico? Non, rien. Rien? Attendez du calme, il me faut du temps, d'accord? Je risque gros à vous aider. Si on découvre ce que j'ai fait au QG, tous ces types armés là-bas, vous ils exécutent les ordres. Faites tous partie de la même équipe, écoutez, O'Brien. Oui, je sais que c'est l'image que ça donne. Écoutez, j'ai pas le temps de vous expliquer maintenant, mais... j'ai besoin de votre aide. Mon aide à moi? Oui, prenez ça. C'est un enregistreur de longueur d'onde et un traceur GPS. J'ai besoin que... le temps presse. Merde, je connais même pas votre nom. Deacon, Deacon St. John. Mais écoutez, Deacon St. John, si vous voulez que je risque ma peau pour en savoir plus sur Sarah, alors oui, j'ai besoin que vous me rendiez service. Ok. Gardez bien ce talkie. Je vous contacte dans quelques minutes. Vous connaissez même pas mon nom, mais vous l'apprendrez avant qu'on en ait fini, O'Brien. Et gardez précieusement ce talkie. Il m'a pas quitté une seconde, espèce d'enfoiré. Bordel de merde, il va me faire poireauter encore longtemps. Allô? Deacon, vous êtes là? Ouais, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous voulez quoi? Bon, j'ai mis un bloqueur sur ce canal. Il est sécurisé. Vous voulez quoi? J'ai envoyé une série de coordonnées vers votre radio. J'ai besoin que vous vous rendiez sur place et... Quoi? Pourquoi? Écoutez-moi. Plusieurs groupes d'intervention sont en mission sur le terrain. J'ai besoin de savoir ce qu'ils font. Pourquoi vous leur demandez pas? Impossible. Écoutez, c'est une longue histoire et j'ai pas le temps de vous la raconter pour l'instant. Disons que des gens haut placés lancent des tas de missions sur le terrain, indépendantes les unes des autres. Les équipes ignorent ce que font les autres. Donc c'est l'apocalypse et vous continuez de faire vos magouilles comme si rien n'avait changé. Où c'est? Je vous ai envoyé les coordonnées. Oh putain, O'Brien. Bon, ok. Je vais voir ce que je peux faire. Essayez d'en rejoindre un maximum. Il y a des sites d'atterrissage actifs, des emplacements de dépôt d'échantillons. Ouais, j'ai saisi. Et vous avez intérêt à avoir des infos pour moi, O'Brien. Ouais, j'ai saisi aussi. Je vous recontacte. O'Brien, terminé. Drifter. O'Brien! Ouais, je suis là. Qu'est-ce que vous... L'un de nos hélicos se dirige vers votre position. Vous devez le suivre. Le suivre? Pourquoi? Allez-y, ne le perdez pas de vue. Ok. Qu'est-ce qui se passe, O'Brien? Vous pouvez me dire pourquoi je poursuis des hélicos dans le No Man's Land? Leur destination est top secrète. J'ai pas accès à leur dossier. Donc je peux pas vous donner les coordonnées du site d'atterrissage. Vous devez les suivre. Non, mais vous avez pas, je sais pas moi, les satellites espions, ce genre de truc? Pas personnellement, non. Je vous l'ai dit, je sais pas. Accès, ouais, j'avais entendu. Ne les perdez pas. Allez, laissez me distancer. Ils ralentissent. O'Brien. Bref, je vous disais, O'Brien, ils atterrissent. Bien, j'ai leurs coordonnées grâce à votre radio. Vous feriez mieux d'y aller. Je voudrais te montrer quelque chose. J'ai des trucs à faire. Hé, je prends de gros risques. Crois-moi, tu seras pas déçu du voyage. Écoute-moi. Il y a deux mois. À plus. Tu veux quoi? Fais gaffe à ton commerce. Ce truc est complètement... Ok. Je te remets au max. A plus. Putain!
Ça devrait le faire. C'est réparable. Ouais, ça va tenir. Schizo, c'est Saint-John. Je suis à la frontière. Tu vois mes hommes dans le coin ? Non, Schizo, RAS. Ivoire, j'ai combien de temps devant moi ? Quoi ? De quoi tu parles ? Tout ce que je sais, c'est que j'ai une partie de carte prévue avec certains de mes gars. Il est possible qu'un ou deux zappent leur tour de garde, mais je vais fermer les yeux. Et à vue de nez, je dirais qu'on est parti pour jouer toute la nuit. Donc jusqu'à demain matin. Compris, terminé. Ok, c'est bon. On n'aura plus besoin.
Prendre ça. Les égarés! Les égarés arrivent! J'ai vu une lampe torche. Les égarés cherchent la lumière et ne la trouvent pas. Tu es sur la voie. Elle est visible. Ne bouge pas! Libère-le! Mets-le sur la voie. Qu'est-ce qu'il lui faut ?
C'est tout? Eh ben putain! Plutôt... coriace, cette saloperie! Des antibiotiques. Je trouve des antibiotiques. Ouais, ça fera l'affaire.